parti pour des vacances en famille. Et ma première croisière, ça va être 30 la balle. Alors, mon meilleur ami Sparky, emballé. Le nœud pape de luxe pour les soupers avec le commandant dans la boîte. Chapeau de paille, adjugé. Zeus, c'est l'heure d'y aller. J'arrive, Linda. On dirait que Zeus est impatient de participer à cette croisière. Et moi, je suis impatient de voir un film sur les œufs de Pâques. Faites tourner. Voilà, ma chérie. Merci. Oh, c'est tellement gentil que vous soyez venue m'aider à tout préparer. J'aime quand il y a plein de gens dans la maison. Une petite minute. Allô? Eh, bonjour, maman. Oh, c'est toi, ma chérie. Alors, tu es prête pour la croisière? Oui, ça y est, on est presque arrivé au bateau. Georges est parti devant avec les bagages et le bébé. Tu l'as laissé seul avec le bébé? Oui, tu sais, Georges se débrouille seul tout le temps. Presque tout le temps. Quelquefois, quoi. Ouais, je crois que je vais quand même l'appeler. Oh, vous allez passer des vacances formidables. Je suis vraiment jalouse, comme une folle. Et puis j'aurais bien aimé que vous soyez restée pour fêter Pâques avec moi. Tiens, devine qui est là et qui est venue m'aider à décorer tous les œufs. Eh bien, c'est ta cousine Madeleine et son amie Amy. Elles aussi, elles auraient été heureuses de vous voir. Oui, je sais. Bien, dis-leur qu'elles nous manquent et qu'on les verra l'an prochain. Bon, alors amusez-vous bien. Oh, mais j'y pense. Faites bien attention au buffet de crevettes. Tu sais, Millie, quand elle est allée aux Bermudes, elle a mangé des crevettes qui n'étaient pas fraîches. Elle a eu des problèmes. D'accord, on fera attention, maman. Elle a vomi 1000 fois par jour. C'était affreux, une horreur. Oui, au revoir. À d'accord, bientôt. Au revoir. Je vous aime, moi aussi. Au revoir. Hé, hey, où il est, le bateau? Ça ressemble pas à un terminal de bateau de croisière. Maman, on est vraiment obligé de laisser Zeus ici, tout seul, loin de nous. Me laisser? Comment ça, me laisser? Mais il sera pas tout seul, ma chérie. Il sera avec Alice, qui nous a été recommandée par la dame qui s'occupe des chats. La dame des chats, elle s'y connaît en gardiennage de chiens? Mais écoute... Ça suffit, on s'en va. Tout va bien, Zeus. Tu vas adorer cet endroit, je te le promets. Ben, appuie sur le bouton de la sonnette. D'accord. Vous devez être les Bannister. Et vous devez être Alice. Il vaudrait mieux, sinon il faudra que je change la pancarte. Et toi, tu es sûrement Zeus. On va devenir les meilleurs amis du monde. Tu aimes les biscuits au bacon? Au moins, la nourriture est pas trop mauvaise. Je vous fais faire une petite visite. Ouais, allez, venez les enfants. Oh, cette maison est surprenante. Alors là, j'adore votre lustre. Il ressemble à celui qu'on avait chez nous avant d'avoir Zeus. Tais-toi, chérie, ne dis pas ça. Bon alors, avant qu'on déménage. Je l'ai hérité de ma grand-mère, Phyllis. Ah, cette maison a toujours été tellement remplie d'amour que ça m'a donné l'idée de créer ce gardiennage pour chiens. Pour qu'ils aient une maison loin de leur maison. Loin? Mais comment ça, loin? Avant, je travaillais dans un chenil de l'autre côté de la ville. Oh, c'était vraiment affreux. Bon, allez, je vais vous montrer l'arrière de la maison. Chouette. Allez, on y va. Ben, dites-moi que c'est une blague. Cette fois, je vais la voir. Viens là, sale ballon. Oh, ça fait du bien. Encore un petit peu à gauche. Oh, mais c'est bien aménagé. Quel superbe terrain de jeu. Je sais que ça se voit pas, mais on commence à avoir des clients. Pas vrai, Karen? Absolument. Bientôt, tu vas avoir plein de nouveaux camarades de jeu. À la pâte Pâques. Il va peut-être pouvoir me donner des chocolats que je proposerai à ma famille pour qu'ils m'emmènent en croisière. Oh, regardez, voilà. Zeus se sent déjà comme chez lui. Peut-être qu'il cherche le moyen de se sauver. Oui. Lui, c'est mon petit lapin, Peter. Il adore jouer avec les chiens. Je déteste les chiens. Bonjour, monsieur lapin. Comment tu vas? C'est à moi que tu parles.
Oui, je m'appelle Zeus et je me demandais si tu pourrais m'aider à trouver des chocolats de Pâques. Ah d'accord. Sous prétexte que je suis un lapin, je suis forcément le lapin de Pâques. Ben, c'est ce que je pensais, mais... Un chien qui pense. Alors là, c'est la meilleure de la journée. Bon, attends, tu vois cette grande poubelle en métal, là? Oui. J'ai peut-être caché d'excellents petits œufs de Pâques en dessous. Cool! Merci, mon pote! Les chiens croient tout ce qu'on leur raconte. Youhou! Regardez, c'est mignon! Oh, c'est bizarre! Je sens aucun petit œuf! Oh non, non, non! Non, arrête! Je la tiens! Hé, hey, gros toutou! Ils sont là, sous le lapin gonflable! Ouais! À moi, les petits œufs! Non, Zeus! Oh, dommage. Bon, j'ai compris. J'ai plus qu'à me faire disparaître. Voilà. Je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas. C'est pas grave. Quand est-ce que vous revenez? Je comprends pas bien ce qui se passe. Le matin de Pâques. Oh, alors j'ai prévu d'organiser une chasse aux œufs dans le parc à 10h. Une chose que ma grand-mère faisait toujours. Ça me fera peut-être un peu de publicité. Dis oui. Oh, ce serait très amusant, mais on arrivera sûrement plus tard. Oh. Mais l'an prochain, c'est promis, chérie. D'accord. Super. Ça va être chouette. Oui, l'an prochain, on viendra. Bon, alors, voilà toutes ces affaires. Il y a le doudou, les jouets, enfin tout le bazar. Mais c'était pour emmener en croisière. Bon, je suis sûre que Zeus va passer de magnifiques vacances. Je vous souhaite de faire un beau voyage. Attendez, vous voulez que je reste ici tout seul? Merci beaucoup, Alice. Au revoir, mes chéris. Mais, Belinda, les au revoir, enfants Zeus. Au revoir, Zeus. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, tout seul? Pose ça par terre. Ça va, t'as déjà raté le petit déjeuner. Stevie, tu sais pas d'où ça vient. Tu laisses ça par terre. Oh, mais c'est bon, je te dis. Remets ça par terre. Non, mais qu'est-ce que t'as? T'es malade? Moi, quand je bosse, j'ai des gaz. Attends, ça sent bon, l'air est frais, et voilà ce que tu fais. Ça sent encore meilleur. Ah, pas vraiment, non? Eh, vous deux, remettez-vous au boulot. Tout de suite, sergent. Hein? Faut trouver une solution. Tant qu'on fait ces heures débiles, on peut pas quitter cette sale ville débile. Quitter notre agent de probation débile et par-dessus tout, quitter ce travail débile. C'est qui ces gars-là? Plus vite que ça, allez. Voilà. Au travail. Ah. On se passe. Oh non, regarde pas, regarde pas. T'as rien vu, tu l'as pas vu? Regarde pas. Oui, mais faut pas le regarder. Peut-être qu'il nous verra pas. Je suis pas là, je pense à autre chose. Ted? Ted, c'est bien toi, non? Non, non. Mais oui, mon pote, tu savais bien que c'était salut. Toi. Waouh! Ah, tu sais, Fred, je croyais qu'ils te laisseraient pas sortir. Ouais, c'est ce que je croyais aussi, mais ils m'ont lâché. Il doit y avoir trop de prisonniers, ça déborde de partout. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, c'est bien pour toi. Oui. Ouais, regarde-nous, les trois mousquetaires sont de nouveau réunis, comme au bon vieux temps, les mecs. Oui, comme au bon vieux temps, quand tu nous as dénoncés après le vol de la banque, c'est de ça que tu parles? Non, c'est pas vrai, vous allez pas me dire que vous m'en voulez toujours. Mais on a fait 2 ans à cause de toi, je te rappelle. Et qui est-ce qui se plaignait tout le temps en disant que vous saviez pas où crêcher? Et qui est-ce qui se plaignait tout le temps en disant que vous saviez pas si vous alliez manger à votre faim? Si vous réfléchissez ne serait-ce qu'une minute, je vous ai rendu un beau petit service. Ah oui, mais t'as raison. Bon, bah alors, merci. De rien. Ah, au fait, je sais pas où crêcher. J'aimerais bien habiter avec vous, les gars. Les superposés, je prends celui du haut. Mais non, attends, le camping-car est vraiment petit, ce serait pas une bonne idée, je crois. Bon, écoute, tu vas quand même pas faire ça à ton petit frère, non? Oh. Allez, on se couchera tard, on regardera des films d'horreur, on fera les idiots sur les lits superposés. Pourquoi je suis toujours entraîné dans ces histoires? T'auras pas à t'inquiéter pour le fric, j'ai trouvé un super coup pour nous trois, on va devenir riches. Tu verras. Oh, regardez. Même pas abîmé. Là, je me sens en pleine forme, moi. C'était le mien. Salut, les gars. Bonjour, messieurs. Voici votre nouvel ami, Zeus.
Zeus, je te présente Butkus, qui est assez exubérant. Et là, juste à côté, c'est Bottleneck, qui a aussi quelques petits défauts. C'est quoi ce renifleur? T'es à jour avec tes vaccins, j'espère? J'ai pas de verre, si c'est ça qui t'inquiète. Je vois que vous allez bien vous entendre, tous les trois. Allez, amusez-vous. C'est qui ce ringard de lapin? Il a pris sa retraite, mais avant il faisait des spectacles. C'est pour ça qu'il se croit supérieur à nous. T'inquiète pas, Zeus. Cette maison est peut-être pas terrible, mais elle est quand même mieux que l'autre, là. Quel autre? Le seul gardiennage de la ville en dehors de celui-là, il appartient à Cressida. Oh, je t'en prie, ne prononce pas ce nom. Jamais entendu parler. On dit que si tu passes plus d'une semaine chez qui tu sais, t'as les poils qui tombent à cause du stress. Oh, arrêtez, c'est peut-être pas aussi horrible que ça. Au secours! Je veux sortir d'ici! Au secours! Tais-toi! Si elle t'entend, on va tous être punis! Attention, la voilà! Silence dans les rangs! Voici la patronne. Minnie? Oui, madame Cressida. Voulez-vous venir une petite minute? J'arrive tout de suite, madame. Je vois que vous avez donné une seconde ration de croquettes lors du repas du midi. Je le referai plus, je vous le promets. Pas la peine de me faire de petites courbettes, je vous aimerai pas plus pour autant. D'accord. J'en peux plus de cet endroit. Oh, qui aboie ainsi, hein? Il y en a un qui va avoir des ennuis. On va lui faire voir ce qui se passe quand on se permet de telles choses. Muselière! Non! Qu'est-ce que vous attendez? Viens, bonhomme. Je vais pas trop serrer. Non, pitié. Quant à vous autres, sales bestioles, retenez bien la leçon et sachez en mesurer les conséquences. Taisez-vous, sinon je vous frappe avec vos croquettes en forme d'os. Voilà. Ça va? Non, oui. Vous êtes sûr? Oui. Vraiment? Oui. Bon. Je suis tellement potée. Non, hein. Tout va bien. Bonjour. Je m'appelle Will. Ah, Alice. On s'est pas déjà vu? Non, je crois pas, non. Je me souviendrai de vous, mais là, non. Si, attendez, j'ai déjà vu votre visage quelque part. Oh, votre annonce. Ouais, enfin, votre pub, Alice Gardinage pour chien. Non, sans blague, vous avez vu mon annonce? Ouais. Waouh, ça, c'est cool. Et ça fonctionne bien? Oh, vous savez, je viens de démarrer, alors c'est encore très lent. J'ai hérité de la maison de ma grand-mère et je me suis dit, tiens, si je faisais du gardiennage pour chien. Et puis bon, c'est génial, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de clients et il faut payer les factures. Mais c'est comme ça, et là, je blablate. Je suis désolée. C'est pas grave. Et vous savez quoi? Je suis vétérinaire, alors... C'est vrai? Je dois avoir une carte. Si jamais vous avez un problème avec un animal, amenez-le-moi. Je suis juste à côté. Bien. D'accord, docteur. Enfin, je veux dire... Will. Bon, je peux pas m'attarder, il y a un chat malade qui va arriver. Bien sûr, et moi aussi je dois y aller, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec les chiens. Eh bien, il faut bien vous occuper d'eux. Exact. Ouais. Allez, un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Et merci, hein. De rien. Ah. Sparky, où tu te caches? Tu cherches quelque chose? Je cherche Sparky. C'est un cadeau de ma famille. Tu l'as pas vu? Non. Pas de chance, grosse nouille. Alors, Zeus, tout va bien? Ma famille me manque et je retrouve pas mon Sparky. S'il te plaît, je peux pas dormir tout seul. Oh, Zeus, tu te sens bien triste. Je te comprends. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Peter? Rien. N'y pense même pas une seconde. Bon, attends. Ça te dirait de rester dormir ici avec nous ce soir? Ce serait une bonne idée, non? Ah, ce serait trop bien! Merci, Alice. Merci, Peter. Ouais, bah t'as pas intérêt à ronfler. Fais ce molle. Le lapin a l'air d'être très en colère. On dirait qu'il a déjà passé une sale journée. Sparky! T'es là? Tu te caches là-dessous? Non? Alors, t'es par là? Hein? Sparky! Ah, je t'ai cherché partout.
qui est-ce qui t'a mis là? Oh, Zeus, évidemment, ça ne peut être que toi. Oui, je m'entraîne au cas où il y aurait un incendie. Toujours être prêt, c'est ma devise. Écoute, bonhomme, je trouve qu'on est parti de la mauvaise patte, toi et moi. Alors je me suis dit qu'on devrait peut-être tout reprendre à zéro. Pas de problème. Allez, viens, je vais te montrer où sont vraiment les petits œufs, c'est toi. J'arrive, juste le temps de ranger ce truc-là. Voilà, ici, c'est très bien. Le trésor se trouve juste derrière cette clôture. T'auras jamais vu autant de friandises. Waouh, c'est vrai? Mais il faut le dire à personne. C'est un secret. On n'a pas besoin que les autres idiots mangent nos œufs. T'inquiète, je sais garder un secret. Merci, Peter. Quel abruti. Kawabonga! Mes pauvres pattes. Désolé d'être aussi dur avec toi. Un peu comme une épine, en fait. Toujours être prêt, qui disait? Oui, c'est ça. Tout le monde garde à vous. Inspection générale. Menu? Oui, madame. On dirait qu'il y a moins de chiens ce matin. Oui, ça sent un peu moins mauvais. Vous n'êtes pas au courant? Non, de quoi? Un autre gardiennage pour chien a ouvert il y a peu de temps. Alice? Elle a travaillé pour moi? Comme c'est adorable, elle a fait ça dans la maison de sa grand-mère. Et elle est 50% moins chère. Elle essaie de me mettre sur la paille. Elle veut la guerre. Très bien. Elle va regretter d'avoir osé agir contre moi. Je me battrai à mort. S'il m'arrive quelque chose, je veux que Cara hérite de mon collier Nœud Pape de Luxe et dites à Georges et à Belinda que je serai avec eux à chaque Noël. Et à chaque Halloween. Alors, voyons voir le problème. Comment tu vas, toi? Je crois qu'il a mal. Donne-moi la papa de bonhomme. Oh, oui. Oui, je vois ce qui se passe. Dites-moi la vérité, docteur. J'en ai pour combien de temps? Il a une épine plantée dans la patte. Il est tombé sur un rosier. Est-ce que c'est grave? C'est pas infecté, je vais seulement l'extraire. L'extraire? Bon, eh ben je vais tomber dans les pommes. Allez, mon garçon, on va t'enlever cette vilaine chose. Et on va d'abord nettoyer. Donne la patte. Waouh, ça fait du bien. Attends, reste là. Ne bouge pas. Tu vas voir, c'est rien du tout. T'es prêt? T'auras même pas mal, je te le promets. On y va? Compte jusqu'à 3. 1, 2. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas et je veux surtout pas le savoir. Alors, c'est pour qui la vasectomie? Non, pas moi. Non. Non. Sois courageux. Ah, voilà, belle épine. Tu vois, Zeus, ça fait pas si mal. Parle pour toi. Alors, et comment vont les affaires? Tout doucement. Vous venez juste d'ouvrir, il faut toujours un peu de temps. Mais vous vous débrouillez bien avec les animaux, hein? Elle est douée. Merci. J'ai beaucoup de clients qui cherchent le bon endroit pour laisser leurs chiens. Si vous voulez, je peux leur en parler. Je peux vous les envoyer. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Oh, de rien, content de vous rendre service. Ça va, toi? On dirait, oui. C'est terminé, bonhomme. Allez, avance, Zeus. T'as souffert, hein? T'inquiète pas, Jean Bonneau. Avec Will, tu risques rien. Suivante. Je te jure que je ferai plus jamais les poubelles. Je t'en supplie, ne me ramène jamais plus ici. Cette espèce de salpeste essaie de me mettre sur la paille. Je veux que vous provoquiez sa ruine. Brûlez tout, volez, bousillez, faites tout ce qu'il faudra. Mais je veux des résultats, c'est clair, pas de problème? Maintenant, on est trois, madame, il n'y aura pas de problème, je vous jure. Cool. Parce que Pâques, c'est dans moins de 2 semaines. C'est là que les familles vont décider de prendre quelques jours de vacances. Je veux qu'ils amènent leurs chiens dans le seul accueil de la ville, le mien. Je hais les chiens. Non, oublie, pas question. Non, le succès vient toujours à ceux qui sont prêts à se battre.
battre. Je me suis jamais battu toute ma vie. J'ai eu quelques galères, mais je me suis jamais battu. Essaie un peu de comprendre, tu veux? Dans la vie, il faut être rapide. Tiens, par exemple, l'oiseau attrape toujours le ver. Le lapin gagne toujours la course. Et puis, la petite souris se débrouille pour avoir le fromage. Camembert ou cheddar? Quelle importance? Réponds à la question. D'accord, cheddar. Vous entendez ce que vous dites, là? À chaque fois que vous arrivez avec un plan, il y en a toujours un de nous qui atterrit dans une cellule. Et en général, c'est moi. Je vois pas où est le problème, là. Attends, tout ce qu'on a à faire, c'est entrer et mettre un peu de bazar. C'est pas difficile. Tout le monde peut arriver à saccager un chenil, non? Oh, tu oublies les chiens. Moi, je déteste les chiens. T'as un problème avec les chiens? Oui, j'ai un problème avec les chiens. Et Ted aussi. On est deux à avoir un problème avec les chiens. Ah oui, on a un problème avec les chiens. J'aime pas les chiens. Tu les détestes à ce point-là? Ah, là, il y a un paquet de dollars. On peut le partager de trois façons. Soit on en prend un tiers chacun. Non, je crois que tu y es pas. Ça, c'est ta part. Ted, regarde combien il y a. Non. Essaie de réfléchir, quoi. Non. Toi, si tu te fais choper, tu vas direct en prison. Tu veux retourner en prison? Imagine Rio, on arrive tous les trois. Jus de pamplemousse, d'ananas, petit maillot de bain moulant. C'est le paradis. Bon, écoutez, vous tenez absolument à ce plan. Alors allez-y. Mais ne comptez pas sur moi pour les visites du dimanche. Ça sera sans moi. On n'a pas besoin de lui. Moi, je fais le coup avec toi. T'es partant? Ça marche ou pas? Ça marche. Mais joue pas au malin. On s'en tient au boulot, pas autre chose. Le boulot, oui, le boulot, d'accord, c'est très clair. Mais tu blaguais pour le maillot de bain moulant? Non, j'en ai un magnifique qui est très serré. Bonjour, Belinda Bannister. Laissez-moi un message. Hey, salut, c'est moi, Alice. Je voulais juste vous appeler pour vous dire qu'on a eu une petite mésaventure aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, Zeus va bien, je l'ai emmené chez un super véto. Physiquement, ça va, mais sur le plan émotionnel, je vous raconte pas. Si vous voulez des détails, vous pouvez m'appeler. Voilà. Tu sais quoi, Zeus? Je crois que je suis un petit peu dépassée. T'inquiète, ça va marcher. Fais-moi confiance. Merci. Je suis contente que tu sois là pour me remonter le moral. Je m'en doutais. Cet abruti est en train de me voler l'affection d'Alice. Mais je vais me venger, Zeus. Peter le lapin est mauvais comme un œuf périmé. S'il continue comme ça, il va se brouiller avec tout le monde. Ce que je dis, c'est que tu devrais te bouger un peu, rencontrer des gens. Tu sais bien que je suis pas douée en sport. Oh, non, sérieusement, tu devrais faire des efforts. Une petite balade, par exemple. Tu pourrais commencer par te débarrasser des fantômes du passé. Mais j'adore cette chemise, elle est confortable. On dirait un vieux chiffon. Et ça, là? Oh, ça a été un chouette week-end. Et ça? Mais c'est très utile. Alice. D'accord, d'accord. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'il est temps de me réveiller. Bravo. Je vais t'aider à faire le ménage. Oh, regarde, même Zeus est d'accord avec moi. Je vais voir qui c'est. Allez. Oh, Will! Salut. Quelle surprise. Salut, toi. Oh, Cupidon vient de me décocher une flèche. Je vous présente Gabrielle. Oh. Elle vient d'un chenil. J'avais pas envie de la laisser seule toute la journée. Oh, elle est si mignonne. Salut, Gabrielle. Sois la bienvenue. Je m'appelle Zeus et tu es très belle. On t'a déjà dit que tu savais parler aux femelles. On dirait que Zeus et elle vont devenir de bons amis. Ouais. Ce sera un bon départ, en espérant que ça ne s'arrêtera pas là. Alors, si je passe la reprendre vers 5h30, c'est bon? Oui. Ouais. Mm-hmm. D'accord. Bon, ben, à tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Parfait. Au revoir les toutous. En voilà une surprise. Oui, elle est vraiment mignonne. Non, je voulais parler du monsieur. Oh, un gentil veto. Je n'ai vu aucune alliance. C'est très prometteur tout ça. C'est juste un client. Et alors, tu vois personne pour l'instant. L'amour, tu sais jamais où et quand tu le rencontres. Très bien, depuis que tu es là. Ça te dirait de faire un bout de chemin avec moi? Oui.
Mais je te préviens, je ne fais jamais de l'écheuil au premier rendez-vous. Oh, pas de problème. Je suis un chien très gentleman. Oh, c'est pas vrai. Un autre sac à puce. Désolé, je n'ai pas de puce. Il faut absolument que je parle à Alice. Cette situation ne peut pas durer. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est assez compliqué. Il faut prévenir Alice avant qu'il gâche notre fête de Pâques. Allons-y. Et voilà. Regarde. Parfait. Au cas où vous auriez besoin de faire garder votre chien, mon amie Alice fait du très très bon boulot. Vous avez qu'à la contacter, vous verrez, elle est super. Génial, merci. Tenez. Oh, ça tombe très bien, je vous remercie. De rien. Si vous devez vous absenter ou si vous voulez faire garder votre chien pendant quelques heures... Bonjour, vous êtes Alice ? Oui, c'est moi. Le docteur Will m'a dit que vous pourriez peut-être prendre ma petite chienne. Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Chouette, je vous remercie beaucoup. Le docteur Will a dit que vous étiez vraiment sérieuse. Ah. Laissez-moi deviner, c'est le docteur Will qui vous envoie. On a plein de nouveaux amis. Ça marche fort pour Alice. Je me suis jamais autant amusée. Salut mon pote, content de te connaître. Viens, on va leur dire bonjour. J'ai vu votre publicité. Mais les gars, c'est une affaire qui tourne. Ah oui, qu'elle a de super croquettes. J'espère qu'elle aime les tout petits. Chacun son tour, face de hot dog. C'est moi que tu traites de hot dog, Ola. Il paraît qu'il y a une piscine. Et je vous dis pas comment je vais plonger. Ça sera moi d'abord, t'entends? C'est drôle, ça sent le bacon. Elles sont où, les femelles? Regardez, le lapin de Pâques. Oh, quel malheur. Il y a des chiens partout, partout. Oh, ça chatouille. Oh, ça y est, j'ai trouvé le bon endroit. T'as intérêt à te laver les pattes avant de manger. Alice, il faut que je te parle. Cette situation est intolérable. Salut. Oh, désolé, seulement les chiens. C'est de la discrimination. Hé, hey, qu'est-ce que ça donne quand un cochon s'accouple avec un poulet? Vas-y. Des œufs au bacon. Toi, t'as mangé ton petit-déj, je suis là, c'est le bien. Mais pourquoi il faut toujours que ce soit moi qui ai la bestiole? Il est moche, il est sale et il pue les croquettes. Je pensais exactement la même chose. Regarde un peu cette baraque. Est-ce que tu sais ce que c'est? Une baraque? C'était la maison d'une grand-mère. Et je parie que cette Alice en a hérité, mon petit père. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'on va pas seulement tirer de l'argent de cette histoire. Il doit y avoir des perles là-dedans, des diamants, des bijoux, des trucs qui valent une fortune. Il doit y en avoir partout. On n'a plus qu'à les trouver. Ces deux-là, ils sauraient même pas trouver un malheureux dollar dans une banque. Bon, je t'explique. Ce truc-là, c'est une caméra. Elle va filmer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Cressida aura toutes les infos qu'elle veut. Et en même temps, on pourra savoir où Alice a planqué le magot. Tu comprends? Là, t'es presque aussi fort qu'un agent secret, Fred. Ça y est, me voilà mêlé à leur histoire de service secret à la com. On aura juste à retenir comment est fichue cette baraque. Après ça, on attend qu'il y ait personne, et puis on entre, on prend les bijoux, et il n'y a plus qu'à se tirer. Ted va carrément être jaloux quand il verra comment on s'est débrouillé. Allez, on va voir Alice. Le chien me tient chaud, et moi je suis en sueur. C'est pas de la sueur, grosse vache. Hello, soyez les bienvenus. Hello. Mon ami et moi, nous devons nous absenter pendant quelques jours et on aimerait pouvoir vous laisser notre chien jusqu'au dimanche de Pâques. Mais bien sûr, il est adorable. J'ai été kidnappé. Appelez la police. Comment il s'appelle? J'en sais rien du tout. Oui, parce qu'on lui a pas encore trouvé de nom. Mais on a pensé à... Rocky. Ça ferait un super nom, non? C'est une bonne idée. Rocky pour un tout petit chien, c'est génial. Oh, le vieux Henri Cœur. Je commence à étouffer. Vous l'avez depuis combien de temps? Pas plus de 15 minutes. Ce qu'il veut dire, c'est que le temps passe et on se rend plus compte de rien quand on est avec lui, n'est-ce pas, Stevie? Exact, mon ami Fred. Je suis contente de pouvoir vous le garder. Génial. Bon, alors à bientôt. Et ne soyez pas inquiets, Rocky est en de bonnes mains. Qui? C'est un blagueur. Ah oui. Stevie. J'ai bien cru qu'il partirait jamais.
C'est qui, Rocky? Allez, viens, je vais te présenter à tes nouveaux amis. Ouais. Salut. Ça va? Et hop, je sors et hop, je me sèche. Alors, c'est toi le nouveau? Oui, c'est moi. Tu m'appelles Zeus? Moi, Rocky. T'as un beau collier. Merci. Mais il a l'air lourd. Ça te gêne pas? Pas vraiment. Ah, mais il est beau quand même. Oui, c'est vrai. Bon, ben, à plus, hein. Salut. Salut. Hey. Alors, ça va la patte? Comme si elle était neuve. Merci, docteur. Et Gabrielle, comment elle va? Ah, bien. Et je crois que Zeus en est déjà très amoureux. Alice. Ça alors, ça doit être dans l'air. Je voulais vous remercier pour toute votre publicité. J'ai de plus en plus de clients. J'ai même réussi à payer pas mal de factures. Ah, bon, eh bien, tant mieux. Pour Gabrielle, je ne vous ferai rien payer, bien sûr. Et si je peux faire quelque chose en échange, ce sera avec grand plaisir. Je vous invite à boire un verre. À boire un verre tous les deux? Dis oui. Oui, boire un verre ou manger une glace, je sais pas. Oh non, je peux pas, désolée. C'est sûr? Oui, je suis allergique au lactose. Oh. Oui, après ça devient l'horreur. Bon, alors moi en fait, je connais un chouette bar. On y mange les meilleurs cupcakes de la ville sans produits laitiers. Pas de problème d'estomac. Dis oui. Il y a un parc juste à côté, alors on peut même les emmener se balader, ça vous dit? Ouais, d'accord, ce sera marrant. Très bien. Ouais. Oh, ça va être génial. Je vais mettre le gel pour fourrure qui est dans ma valise. Oh, Zeus, tu vas sentir bon. Je me sens vilaine. Et c'est légal? Et toi, ta fausse robe panthère, elle est légale? Je veux dire, ces chiens sont seulement en train de jouer. C'est toute la différence entre les apparences et la réalité. Je vois des violations du code du travail et toutes sortes de choses dangereuses. Oh, cette grille, par exemple. Il manque une chose extrêmement importante. Qui peut dire ce qui manque? Un bon coup de peinture. Elle a surtout un bon coup de pipi. Non, non. Un cadenas. Section A. Violation des règles de sécurité. Et je vous parie ce que vous voulez, que tous ces petits monticules marrons éparpillés sur l'herbe, ce ne sont pas des mottes de chocolat, mais un bel exemple de violation de la section B concernant le code de la santé. De plus, je ne vois aucun extincteur sur les lieux. Excellent travail. Je crois qu'il est temps d'appeler nos chers petits inspecteurs. Hein? Veuillez, s'il vous plaît, nettoyer l'urine que vous avez sur votre t-shirt. Hey, salut, c'est moi, Alice. Je voulais juste vous appeler pour vous dire qu'on a eu une petite mésaventure aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, Zeus va bien danser chez un super béton. Salut. Si vous voulez des détails, vous pouvez m'appeler. Voilà. Alice, gardienne à son chien, laissez votre message. Salut, c'est Belinda Bannister qui appelle. Je suis vraiment désolée, les portables ne passaient pas sur le bateau. Et ça a duré plusieurs jours, donc je viens juste d'avoir votre message. J'espère que Zeus va bien. J'espère qu'il va mieux que Georges. Georges a passé son temps à être malade, il est loin d'avoir le pied marin. Alors, écoutez, essayez de nous rappeler. Je ne peux pas vous garantir que ça passera. Mais on sera revenu pour le matin de Pâques, le dimanche, d'accord? Au revoir, merci. Au revoir. D'accord, oui, je viens. Une croisière. Le vent dans mon duvet, les vagues qui viennent lécher mes papates. Je suis sûre que Zeus est jaloux. Ça doit être super génial. Mais pourquoi vous avez voulu devenir vétérinaire? J'ai grandi avec des animaux. On a toujours eu des chiens, des chats, des cochons. Des cochons? Ouais. Oh, là, je suis pas fan. Vous les aimez pas? Non. Peut-être que vous avez pas rencontré le bon? Peut-être. Zeus? Où est la médaille de ton collier? Peter l'aimait bien, alors je l'ai échangé contre des chocolats. Mais dessus, il y a écrit le nom de tes maîtres. Ouais, mais je crois bien qu'ils m'ont oublié. Tu sais, j'ai peur qu'ils ne reviennent jamais me rechercher.
J'avais envie d'entrer en fac de médecine, mais j'aurais jamais pu suivre les cours de biologie. Vous vouliez pas disséquer des grenouilles, hein? Oh non, 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 ça c'est sûr. Quand je vois la façon dont les chiens vous regardent, je crois que vous avez fait le bon choix. Merci. De rien. On a toujours peur de quelque chose. Il y a une semaine, j'étais seule dans un chenil, morte de trouille. Et regarde, maintenant j'ai un maître génial, une maison et un nouvel ami. Ouais, mais tu sais, les Bannister sont des gens formidables. Et j'imagine pas vivre sans eux. J'ai quelque chose à vous avouer. Ne me dites pas que vous êtes mariée. Non. Je ne suis pas du tout. Quelque part, j'ai adopté Gabriel pour avoir l'excuse de vous revoir. C'est une excellente idée. Attendez, vous voulez dire que... Non, mais j'adore les chiens. J'ai toujours voulu avoir un chien. Moi aussi, j'ai toujours voulu avoir une amie. Oh, mais je voulais vraiment trouver une bonne raison de vous revoir. Ouais. Mais c'est ma chère amie, Alice. Oh, Cressida, bonjour. C'est elle, Cressida? Voici mon ami, Will. Comment allez-vous? Vous avez donc ouvert votre propre gardiennage pour chien. Je suppose que je dois vous féliciter. Je vous souhaite bien du plaisir. Oh, c'est bien mon intention. Et en fait, je devrais vous remercier. Pourquoi? Mais pour m'avoir viré, pour m'avoir offert l'opportunité de monter ma propre affaire, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec vous. Surtout en ce qui concerne ce que je ne veux surtout pas faire. Que voulez-vous dire exactement? Mais au fait... Je crois qu'on devrait aller là où on avait dit, non? Vous savez, le... Ah oui, le rendez-vous très très important, voilà. Qu'on ne doit pas rater. C'est ça, oui. Oui, il ne faut pas être en retard pour ce rendez-vous. On doit y aller. Oui, alors, Cressida, un de ces jours? C'est parti. Faites attention, ma chérie. Je ne suis vraiment pas sûre que vous soyez douée pour ce métier. Joyeuse fête de Pâques, Cressida. Je ne passerai pas de bonne fête tant que je ne t'aurai pas fait mordre la poussière, petit imbécile. Alors, tu aimes bien ce garçon? Bien sûr, mais je sais pas. Tu as peur de souffrir à nouveau? Tu sais, ils font tous mais ça. Mais cette fois, il est sérieux, non? Je suppose, oui. Écoute, je sais ce que tu ressens, mais tu devrais laisser une chance à ce garçon. C'est ce que j'ai fait avec Marc. Et regarde-nous, on est heureux. Invite-le pour Pâques, il ira chercher les œufs. En parlant de ça, est-ce que tu pourras venir m'aider? Ne change pas de sujet, tu vas inviter ce garçon, oui ou non? Bon, tu sais, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai hésité. Et du coup, j'ai commencé à me dire que... Arrête. C'est bon, arrête. C'est le meilleur moyen pour que tu puisses le connaître un peu mieux. Tu devrais l'inviter. Ah non, moi je te le dis, c'est juste là, sous notre nez. Il suffit juste de le trouver. Qu'est-ce que tu me chantes? Il n'y a rien sous mon nez. Et ça, sous ton gros nez, tu le veux? Messieurs, le dîner est servi, de la bière et de la bouffe chinoise que je viens juste de piquer au livreur. Où t'étais? J'ai faim, je meurs de faim. Mais t'es un grand malade. T'as été chien dans une autre vie ou quoi? Peut-être bien. Regardez quoi? C'est le gardiennage d'Alice. On a mis une caméra sur le collier d'un chien. Trouver le trésor. Je t'ai déjà dit d'avaler. D'avaler quoi? Avant de... Laisse tomber. Cressida va envoyer des inspecteurs des services sanitaires pour qu'ils ferment son affaire. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vu que des infractions mineures. Ce qu'il faudrait, c'est trouver le moyen d'entrer chez elle. Vous savez que j'aime pas ça. Ouais. Mais bon, si je voulais vous aider, hein, je pourrais vous faire remarquer que... Qu'Alice, c'est pas à quoi il ressemble, hein, les inspecteurs. Alors, c'est génial. Ted, je savais que tu trouverais une solution. Je comprends pas. Si on se déguise en inspecteur, on pourra se pointer chez elle, y rester toute la journée et visiter toute la baraque. Ah, c'est une bonne idée, capitaine. Je t'ai déjà dit, pas m'appeler comme ça. Bon alors, vous savez quoi? Il me reste encore quelques petits déguisements qu'on avait utilisés pour notre descente dans la banque. Non! Non mais attends, Ted. Toi, t'auras rien d'autre à faire que regarder l'écran. Bon, je vous ai dit que je marchais pas dans votre truc, ça m'intéresse pas. Personne saura que t'es complice. Le fun est fort. Imagine, Rio, la plage, les petits jus d'ananas, les petits maillots serrés. Il a raison, Ted. Au nom du bon vieux temps. Tu peux le faire. T'as du bouboune. Bon, c'est d'accord, je marche. Oh, rien ne pourra nous arrêter. Saleté de... Alors... Test. 1, 2, 3, ici,
Spaghetti, tu me reçois ? Roger, Spaghetti, ici Boule de Viande qui reçoit 5 sur 5. D'après les images, elle a monté tout le pognon au deuxième étage. Ça veut dire que vous devez d'abord explorer cet endroit-là. Au deuxième ? D'accord, ça marche. On s'est déjà vu, non ? Que puis-je pour vous ? Bonjour, madame. Nous sommes les inspecteurs du ministère de la Santé. Vous êtes Alice ? Oui, c'est moi, mais il y a un problème. C'est ce que nous allons voir. Nous avons reçu une plainte. Une plainte ? Mais de la part de qui ? Qu'est-ce qu'on en sait, nous ? C'est une information confidentielle. On peut entrer ? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, où sont ces soi-disant chiens ? Eh bien, pour l'instant, ils sont dans le jardin. C'est l'heure de leur récréation. Parfait. Vous et moi, on va aller dans le jardin afin d'inspecter les lieux de récréation. Et mon collègue va rester ici, à l'intérieur, afin de constater qu'il n'y a pas d'infraction au code de la santé. Je commence par la cuisine. La cuisine ? C'est lui ! Non, tu veux dire les étages, n'est-ce pas ? Les étages et puis la cuisine, c'est normal. Oh, eh bien, d'accord. Après vous, madame ? Oh, oh oui, le jardin, très bien. Tu m'attraperas pas! C'est ce qu'on va voir! Hé, hey, les gars, voilà Alice! Ça alors, vous avez beaucoup de chiens. Et vous êtes seule pour vous occuper d'eux? Non, mon amie Karen travaille avec moi, mais elle est pas là. Elle est allée chez son docteur parce qu'elle est enceinte, elle doit passer des visites. Alors ça veut dire que votre employée ne travaille qu'à mi-temps? Mais non, elle est... Je prends note. À mi-temps? Eh ben, ça nous permettra d'entrer tranquille. Attention, j'ai pris un gros petit déjeuner. Oh, oh, je suis vraiment désolée. Je vais nettoyer votre chaussure. C'est terrible comme ça colle, hein. Allez, donnez-moi votre... Oh. Je reviens. Voilà, ça y est. Je suis vraiment désolée. Bon, faites attention. On y est. Voilà. Les excréments, dit quelque chose sur les excréments. Apparemment, vous avez pléthore d'excréments, madame. Pléthore, vous dites ? À profusion, en abondance, plus que de rigueur. Je suis désolée, mais vous savez, je viens juste de leur donner leur goûter. Alors du coup, ça rentre et après, ça repart. Des fois, c'est au bout de 5 minutes. Mauvaise condition d'hygiène dans l'air de récréation causée par un mauvais traitement des excréments. Là, c'est très grave, petite madame. Mais... Vous allez devoir régler ça immédiatement. Bah oui, eh bien, je vais tout nettoyer. Soyez dès maintenant. Oui. Stevie ! Stevie, où tu en es ? Stevie, où es-tu ? Stevie, qu'est-ce que tu fais, là ? Il y a encore plein de bouffe, ici. Bon, alors regardez-moi ça. D'après ce que je vois là, vous n'avez pas de cadenas. J'en ai acheté un, mais l'ennui, c'est que j'ai pas eu le temps de l'installer. Dommage. Je suis désolé, c'est encore une grosse infraction, madame. Il va vraiment falloir régler ça immédiatement. Bon, d'accord, j'arrive. Bougez pas, hein. Fred, fonce, c'est bon, la voie est libre. Stevie ! Stevie ! Qu'est-ce que ça donne ? Stevie, t'es là ? Attends, non, ne me dis pas que tu manges un sandwich ! Fred, dis-lui de ne pas faire foirer cette affaire-là. Là, c'est le boulot. Le boulot. Et voilà, j'ai le cadenas. Ah, oui.
Est-ce que tu vas monter, oui ou non? Eh oui, c'est vrai. Trouvez le trésor. Faut faire attention. Au deuxième, d'accord, ça marche. Le nouveau cadenas est installé. Je vous offre une petite limonade. Non, désolé, madame, je n'accepte pas les pots de vin. N'oublie pas de lui parler des extincteurs. Vous savez ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas le moindre extincteur. Je n'en vois nulle part dans votre jardin. Il faut des extincteurs dans mon terrain? Oh oui. Vas-y, baratine, Fred, baratine, vas-y. D'après les articles numéro 23 et 27, alinéa 48B du Code civil de la santé, il doit y avoir au moins un extincteur quelque part dans le terrain de jeu, c'est-à-dire là où sont rassemblés les chiens. D'accord, alors je vais en mettre un dès maintenant. Alice, on dirait que ce type te fait vivre un enfer. Je peux t'aider? Tout petit cadenas. Je trouve que ce type a l'air plutôt bizarre. Mais où est passé l'extincteur? L'extincteur? Oh. Je vais avoir de très gros problèmes, Zeus. Il était ici, j'en suis sûr. Voilà. Où il est passé? Ah, le voilà. Attends, je vais... Qu'est-ce que c'est lourd? Les vrais inspecteurs, je viens de les voir, moi. Stevie, il y a personne ici à part nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut qu'on se sauve. Pourquoi? Malheureusement, je n'arrive pas à mettre la main sur mon extincteur. Je l'ai trouvé, Alice. Zeus, tu es mon sauveur. Oh, bravo, mon toutou. Elle vient de l'appeler Zeus? Vous l'appelez Zeus? Oui, c'est cool comme nom, hein? Oh non, c'est pas vrai. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce monsieur. Il appartient à qui? Qu'est-ce que ça fait de savoir à qui il est? Oh, il appartient à la famille Bannister. Les Bannister? Oui, vous les connaissez? Oh non, je vous en supplie, dites-moi que c'est pas vrai. Non, ça peut pas être vrai, ça. Alors, c'est Zeus Bannister? Non, c'est pas possible. Oui, c'est lui. Allez, vite, cassez-vous les mecs. Dégagez, tout de suite. Oh, vous permettez que j'aille voir qui c'est? J'en ai pour une seconde. Il faut se tirer. Madame, excusez-moi, mon collègue et moi sommes d'accord. Ça, c'est un très bon extincteur. Et maintenant, nous vous remercions, mais nous devons nous en aller. Oh, mais pour moi, ça passe? Qu'est-ce qui passe? L'inspection. Oh, les doigts dans le nez. Super, c'est super. On y va, on traîne pas. Allez, viens, Zeus. J'arrive pas à le croire. Mais dépêche-toi un peu. Dépêche-toi. Inspecteur des services sanitaires. Oh, mais ils sont passés, vos collègues. C'est impossible. Je suis le seul inspecteur de la ville. Mais ils étaient là il y a une seconde. Ils viennent tout juste de s'en aller, monsieur. C'était sûrement les inspecteurs du comté. C'est la même chose, mais pas le même bureau. Oh. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Oh.
comment ça n'a pas marché. Rien que le coup des crottes était une cause de fermeture. Peut-être qu'elle avait nettoyé. Silence quand je réfléchis, Mini. Et silence quand je... Oh. Désolée. Alors vous, là. Qui ça? Le temps nous est compté. Le dimanche de Pâques, c'est demain, messieurs. Bonne nouvelle, on va aller piquer des petits lapins au chocolat. La dame ne parle pas des chocolats, Stevie. Il faut trouver une solution. La caméra sur le collier, c'était une bonne idée. Seulement là, il faut penser à une chose plus sophistiquée. Approchez-vous. Approchez-vous. Je vous jure que si ça foire, j'irai dire à la police que vous avez violé tous les deux les conditions de votre libération et vous irez manger des oranges au fond d'une prison bien plus vite que vous ne le croyez. Muselez-moi. Messieurs. Voilà qui vous aidera sûrement. Des puces. Oh oui, les chiens verront qui est le maître. Non, tu dis rien. Muselez-moi, messieurs. Je me demande si mes maîtres voient les mêmes étoiles là où ils sont. Oh. Eh, bonhomme, ça va? Je me sens un peu seul. Bouge pas, attends une seconde. Allô? Alice? Salut, c'est Will. Allez, vas-y, lance-toi, le veto. Je sais qu'il est un peu tard, là, et puis que demain, c'est Pâques. Mais ça vous dirait qu'on fasse un truc demain? Oh, ce serait chouette, mais j'ai déjà des projets. Oh, ouais, bien sûr, pas de problème. Je fais ce que faisait ma grand-mère, c'est-à-dire que j'organise une chasse aux œufs dans le parc pour les enfants. Et je ne pense pas que vous ayez envie de venir. Eh ben, si, ça serait amusant, j'en serais très heureux. C'est vrai? N'oublie pas d'inviter aussi Gabriel. Je pourrais amener Gabriel? Ah, je ne crois pas que Zeus me pardonnerait si je refusais. Bon, parfait. Double rendez-vous. Ouais! Ouais, ce sera génial. Zeus, on a rencard. C'est en train de devenir une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour de Pâques. J'espère que ça se terminera bien. Ils se marieront et ils partiront faire une belle lune de chocolat. Alors, les sacs de croquettes sont dans le placard et les confiseries sur l'étagère du haut. Et surveille bien le lapin. Alice, t'en fais pas pour nous. Pense surtout aux enfants et amusez-vous bien. Je te remercie de venir t'occuper de tout. Oh, et... Arrête de t'inquiéter et fiche le camp. Tu vas tout de même pas être en retard pour ton rendez-vous. D'accord. Ça y est, viens, Zeus, on y va. C'est le bon moment. Pas question, non, pas question. Stevie, tu peux arrêter de faire l'imbécile. Allez, dépêche-toi. Je suis un lapin rose et tendre, m'énerve pas. Je vais te filer une baffe si tu ne décides pas. Restez sérieux. Stevie, ce petit costume te va ravir. Faudra songer à refaire ça pour les copains quand tu repartiras en tôle. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse tomber. Écoute, voilà le plan. Tout ce que t'as à faire, c'est balancer ça dans les paniers des chiens. Moi, je surveille. Fais pas l'idiot, dépêche-toi. Salut, Peter. Bon, je vois que c'est encore moi qui vais m'occuper des chiens. Sers-toi du râteau pour l'enlever. Dépêche-toi, dépêche-toi. Stevie, t'as de belles oreilles, tu sais.
ben ça alors, mais dis donc, tu sais que ça marche ton truc? Miam. J'espère que c'est du bio. Regardez-moi cette bande de morphales. C'est pas vrai, écoute, fais un peu attention, grouille-toi gros lapin. Arrête, c'est pour les chiens. C'est pas pour toi, ça, Stevie. Commence pas à bouffer les chocolats. Il y a des petites carottes qui t'attendent dans la camionnette, si t'as faim. Allez, maintenant, vas-y, balance le tout, comme on a dit. Hein. Je te signale que t'es sur mon terrain. Ça va, Coco? Dépêche! Pourquoi tu te grattes? T'as chopé des puces? Le lapin, il est fort, très fort, oui. On devrait peut-être le prendre dans l'équipe. Attends, mais tu délires ou quoi? C'est toi, le lapin? Eh oui, c'est vrai. Et n'oubliez pas, si vous partez en vacances ou juste pour deux ou trois petites heures, Alice Gardiennage pour Chien est là pour vous. Merci. Merci de rien, je vous en prie. Alice Gardiennage pour Chien serait heureuse de garder vos animaux. Merci d'être venu. Merci. Oui. Hey. Vous avez réussi à venir. Oui, je voulais pas manquer ça. Oh. Je savais pas s'il fallait apporter quelque chose, alors j'ai fait la fameuse salade aux œufs de ma mère. Oh, la fameuse salade? Ah oui, elle est mondialement connue. C'est vrai, elle est super bonne. J'en ai léchouillé un peu quand il regardait pas. Vilaine fille, léchouillé, j'adore. Eh ben, merci. De rien. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour la chasse aux œufs? Oui. C'est parti, viens avec moi. On y va? Oui, j'arrive. Bon travail. Mais comment on fait sortir les chiens du jardin? Avec ça. Mais c'est quoi? C'est une flûte. Regarde. Il suffit de jouer. Les chiens vont sortir et entrer dans la camionnette. Le joueur de flûte, il a fait pareil. C'est l'idée la plus idiote et la plus ridicule que j'ai jamais entendue de ma vie. T'en as une meilleure. T'as que dalle. Eh hey, les gars, vous sentez cette nourriture bien grasse? Ça a l'air délicieux. Les bords de la pizza, c'est pour moi. Vite. Boule de viande, ici spaghetti. La boule de pain est dans le four. J'adore la malbouffe. À table. Vous avez vu? Son truc a marché. Ces imbéciles sont prêts à faire n'importe quoi pour un repas de plus. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi, là? C'est fini, le concert. C'est bon? Démarre! Allez, on va emmener la meute chez Cressida. Vous êtes prêts? Attention! Reste ici. Vous voulez des œufs? Je suis sûr que Ben et Cara seraient contents d'être là. Ne t'inquiète pas pour eux. Amuse-toi, profite-en. Ça va, je vais m'écarter. Hé, la dormeuse, t'as remarqué que tous les chiens ont été kidnappés? T'as entendu?
Non, évidemment, t'as rien entendu. Des petits œufs ? Comme ça. Tournez à gauche. Ted, elle a dit de tourner à gauche. Oui, j'ai entendu. Bah, j'essaie juste de t'aider. Allez, tout droit. On est déjà passé par là. Faites demi-tour. Je viens de comprendre comment on sert du GPS. Là, c'est la bonne direction. On y est. Va chercher les bestioles. Moi, je reste ici. Quelle bestiole ? Et là, derrière, les clébards. Allez, grouille-toi ! Et à la troisième place, on a Tristan ! Yeah ! Hey ! Mes félicitations, Tristan. Merci. Ouais. Et à la deuxième place, on a Nick. Ouais. 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 Félicitations, Nick. Et à la première place, on a Adela. Ouais. Félicitations, Rayana. Merci les enfants, c'est vraiment gentil d'être venus. Et on se retrouve dans un an. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et votre grand-mère faisait ça tous les ans ? Oui, pour ma grand-mère Phyllis, ça aurait été la 37e fois. Waouh ! Eh oui. C'est fou ça. Mais vous avez hérité de son don pour organiser une fête. Oh, vous êtes gentil. Ah. Oh, une petite seconde. Allô ? Alice, c'est moi. Il faut que tu viennes tout de suite. D'accord, d'accord. On vient immédiatement. Dépêchons-nous. Et dégagé de ma vue, je dois passer un coup de fil. Ça a été un plaisir de bosser avec vous. Hmm. Et... Fais attention de ne pas te cogner la tête en sortant. Hmm. Gagné. Ça y est, t'as fric ? J'ai le fric. C'est fini. Réglé, on peut aller manger. Tout a marché comme prévu. Et on n'a même pas vu cet empoisonneur de Zeus. Karen, qu'est-ce qui s'est passé ?
Je me suis endormie quelques minutes et quand je me suis réveillée, les chiens avaient disparu. Je suis vraiment désolée, Alice. Ça va aller. Il faut juste qu'on les retrouve rapidement. D'accord, je propose qu'on se sépare pour être plus efficace. Je prends Zeus et Gabriel avec moi. Vous et Karen, faites le tour du voisinage. D'accord. Allez, viens, bonhomme. Viens, Zeus. Dépêche-toi. T'as l'air énervé. Tu veux que je conduise ? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tu crois ? Je crois que je vais paniquer. Ça y est, je panique. Calmez-vous, les copains. J'ai pas envie d'être muselé. La ferme, les sacs à puce. Sinon, je vais vous donner une vraie raison de chouiner. Francky ! Lucas ! Je crois avoir senti quelque chose. Ah oui ? C'est léger, mais je suis sûr que c'est eux. Gabriel ! Attends, je viens avec toi. Zeus ! Ah non ! Regardons encore dans le jardin. Oui. Tiens, attends. C'est quoi ça ? C'était sur le collier de Rocky. On dirait une petite caméra espion. Qui est-ce qui irait mettre une caméra sur un chien ? Quelqu'un qui voudrait ruiner mes affaires et je crois que je ne vois qu'une seule personne. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la maison de qui, tu sais ? Cressida ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Les chiens doivent être à l'intérieur. Attends-moi ici, je vais y aller. Mais, Zeus ! Il n'y a pas de mais. Si je suis pas sorti dans 2 minutes, appelle la police. Sois prudent. Allô ? C'est Alice. Comme je suis heureuse d'entendre votre voix. Comment allez-vous, ma chère ? Plutôt mal. Quelqu'un a pénétré chez moi et a laissé sortir tous les chiens. Vous ne sauriez pas par hasard qui a pu faire une chose pareille ? Oh, voyons. Je suis submergée de travail par mon affaire qui ne cesse de se développer. Mais ce n'est pas elle qui vide ses poubelles. On dirait que votre misérable petite affaire n'aura pas duré bien longtemps. Ce n'est pas accidentel. Quelqu'un a pénétré chez moi et m'a espionnée. Oh, c'est pas vrai, mais c'est réellement affreux. Cressida. Joyeuse Pâques, ma chérie. Cressida. Et hop, au revoir. On va aller la voir. C'est elle qui a dû mijoter tout ça. Va voir ce que font les clébards. Avec plaisir. Rocco. Ouais, c'est Fred. Tu te rappelles le coffre de la banque que... Voilà. Comment tu l'as ouvert, ce coffre ? Hé, hey, je te connais, toi ! Zeus ! Il est venu nous délivrer ! Je vous avais dit de pas vous inquiéter. Tire-toi de là, moustique. Je ne te laisserai pas passer. J'espère que tu rigoles. J'ai l'air de rigoler. Tu me prends pour un marshmallow ? Je vais te mordre le bout du museau si tu continues. Là, je te conseille même pas d'essayer. Cressida ! À plus tard, face de raton. Sésame, ouvre-toi. Vérification des colliers. C'est important au cas où on se retrouverait séparés. Butkus, Bottleneck, Pookie, Rocky. Qu'est-ce qui est arrivé à ton collier ? La médaille a dû tomber. C'est grave ? Ben oui, très grave. Bon, alors c'est quoi le plan ? Le plan, c'est que je vais me débrouiller pour vous ramener à la maison. Ah non, non, c'est dangereux. Il vaut mieux rester ici jusqu'à ce qu'on nous retrouve. Écoutez, je vous ai retrouvé grâce à mon flair. Je saurais bien retrouver le chemin de la maison. Moi, j'ai confiance en Zeus. Oui, moi aussi. Allez, dépêchons-nous avant que Cressida s'aperçoive qu'on s'est sauvés. Hé ! Venez par là ! Je l'entends qui arrive. Vite, vite ! Je suis au taquet ! Vivi ! Va chercher les clés ! Allez ! Fred, qu'est-ce que tu fais ? J'émets des vibrations pour ouvrir le coffre. Des vibrations ? Je sais même pas ce que c'est. C'est une toute petite patate, ça, comparée à l'énorme pot de miel qui nous attend de l'autre côté de cette serrure.
Du miel, c'est de l'argent qu'il y a là-dedans. Arrêtez de parler et ouvrez-moi ce coffre, s'il vous plaît. Ok, trouve-moi un truc, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, tu mets ça devant pour signaler qu'il faut pas se cogner dedans. Ben, on n'est pas sur un chantier. Un frisbee, ça peut toujours servir. Non, là, tu te fiches de moi, Stevie. Le plus beau jouet du monde. Stevie! Voilà, on est arrivé. Vite, dans le jardin. Le jardin? Là, on est en sécurité. Ça, c'est pas une vraie perceuse? Oh, mais espèce d'abruti! Tu vois pas que c'est un jouet? Bon, on a oublié personne. Et ici, vous ne risquez plus rien. Oh, mais quel bonheur d'être arrivé! Je crois que j'aurais pas fait 100 mètres de plus. Bon travail, Zeus. Et dire que je doutais de toi. Moi, j'ai jamais douté de lui. Et vous n'avez encore rien vu. Où est-ce que tu veux encore aller? Vous voyez cette camionnette blanche? Ça veut dire problème. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais quoi? Je vais sauver ce dimanche de Pâques. Là-haut, il y a peut-être un truc que je pourrais utiliser. Alice m'en voudra pas de lui emprunter ce panier. Des petits œufs. Rien de tel qu'un œuf bien frais. Ces voleurs vont voir 36 sur elle. Ce panier est bien utile. Allez hop, un piège. Avec ça, ils vont bien se ramasser. Allez, on cache le tout. J'y suis presque. Voilà, dimanche de Pâques qui ne sont pas prêts d'oublier. Ouais, là, t'es génial! Ouais! Ouais! C'est quoi ça? T'as entendu un bruit? Ouais, c'était quoi? C'était un chien, hein? C'est Zeus! Il est revenu! Toi, va jeter un œil. Moi, je veux ouvrir son coffre. Oh, le beau lapin! Viens voir ici! Non! Zeus, je vais t'attraper. Je sais que tu te caches quelque part. Oh. Voyez les petits œufs, là. En voilà un coup de bol. Ta mère t'a pas dit de jamais manger les bonbons tombés par terre? Stevie, touche pas aux petits œufs. Ah, j'ai failli marcher dessus. Faut faire attention. Stevie, laisse-les, je te dis. Tu veux un œuf, toi? Oh, c'est pas vrai. Il les ramasse, et il les mange. Mais c'est quoi ton plat préféré? Du vomi? Combien tu vas en manger? Stevie, c'est la plus vieille blague du monde. Hansel et Gretel, tu connais? Touche pas. Je vais revenir, mon petit gars. Oh, merci beaucoup. Je veux pas voir ça. Et un homme à terre. Un. Stevie, ça va? T'es vraiment un sacré chien. Pure race. Si tu n'avais pas été là, je serais déjà en terrine. Je rends hommage à ton courage. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est Pâques. Et puis, quel ami serais-je si je n'avais rien fait? Maintenant, va rejoindre les autres. Le bon toutou doit encore s'occuper des deux abrutis. Attention, ça va chauffer. On se reverra tout à l'heure. Et un pour la route. Non. Il n'était pas fermé à clé? Tu fais, c'est pas le moment de faire la sieste. Ce chien est un pur sadique. Viens m'aider, me laisse pas comme ça par terre. J'ai
des petits œufs collés un peu partout. Donne-moi tes mains. Oh, je suis couvert de petits œufs. Non, mais aide-moi. Fais un effort pour te redresser, lève-toi. Ah, j'ai mal au cœur maintenant. Allez. T'as le trésor? Le coffre était vide. Comme mon estomac. Non, il n'a pas l'air vide, il faut se tirer d'ici. Je te suis. Pas de fric, pas de sandwich. Oh non. Attention, il balance les œufs. Bombardement. Et toi aussi. Qu'est-ce que... Le ciel vous tombe sur la tête. Regarde, c'est encore ce sale chien. Oh, c'est fini, oui. Une pluie de Pâques. Arrête-le. Oh, désolé, pas eu le temps de retirer le jaune. On s'est fait piéger comme des bleus. Vous êtes que des imbéciles. Avec vous, il n'y a aucun espoir. Oh. Mais... Toujours pareil. Si on veut qu'une chose soit bien faite... Bon, je voulais pas m'en mêler, mais j'ai pas le choix. J'aurais jamais dû venir travailler dans un endroit pareil. Qu'est-ce que j'ai été idiote! Où est Cressida? Je sais qu'elle a volé mes chiens. Elle est partie, ils sont tous partis. Comment ça, partis? Les chiens, ils sont tous enfuis. Où est Cressida? Dites-le-moi. Elle est chez vous. Oh non, c'est Cressida. Oh! Où est-ce que tu vas, toi? Elle s'enfuit. Je vais la choper. Tu t'en tireras pas comme ça cette fois. Enfin, il se rend utile. Oh, sauvez-vous. Ne m'approchez pas. Sylvie. Oh, j'ai parlé trop vite. Au secours. Elle veut m'attraper. Sauf qu'il peut, je veux pas être muselé. Viens ici. Décidément, on peut pas compter sur eux. Alors cette fois, on va plus rigoler. Zeus! Stop! Viens ici tout de suite! Ted? Et cette fois, ça va être entre toi et moi. Oh non, pas du tout. Allez, viens là. Je m'occupe de lui, Zeus. Ah, oh, bon sang de bestiole. Oh, attends, c'est pas fini. Alors, t'aimes pas notre petite fête? On espère que t'aimes au moins l'odeur. Tirez-vous, laissez-moi passer. Pas après ce que vous avez fait. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Vous ne pouvez rien prouver. Oh, mais si, nous avons des preuves. Figurez-vous que cette petite caméra enregistre tout ce qu'on lui demande d'enregistrer. Mais je vous déteste. Ah! 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 Eh, ça pique. Ah! Tiens, un petit coup d'eau fraîche. Ah! Non! Ça va lui rafraîchir les idées. Ça lui apprendra. Eh ben voilà ce qui arrive aux mauvaises personnes. Tiens, 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 ce sont mes vieux amis. On nous a forcés à voler les chiens. Monsieur l'agent, je tiens à dire ici, devant témoin, que... Ted et Stevie m'ont forcé mais qu'est-ce que tu racontes? Steve, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous m'avez forcé. Non. J'avais prévu fonctionner à merveille et à coup de vous, ça a complètement foiré. Mais quand on y pense, la tôle, c'est pas si mal. On mange gratos, on nous lave nos fringues et on paye pas de loyer. Joyeuse Pâques, Ted. Joyeuse Pâques, Stevie. À notre hôtel, mon bon. Ce chien est une vraie merveille. T'as été drôlement fort, bonhomme. Je suis un Bannister. On a ça dans le sang. Zeus est un chien très courageux.
Qu'est-ce que tu connais au courage, toi? T'es une future poule mouillée. Oui, et bah ben toi aussi. Et la moitié d'un œuf. Celui ou celle qui trouve l'autre moitié a gagné un prix. Oh, regardez qui l'a trouvé. Oh, pas de doute, c'est bien celui-là. Recherchez, il y en a encore. Dépêchez-vous. Oh. Dis donc, t'en as trouvé plein, hein? Oh, mon portable qui sonne. Il est quelque part, mais où? Il est dans votre poche, hein. Regardez. Dans ma quoi? Dans votre poche. Non, non, c'est impossible, je n'ai pas regardez, de poche dans ce... Regardez, il est là. Oh. Allô? Salut, maman. Oh, joyeuse Pâques, chérie. Comment ça se passe? Oh, c'est une fête magnifique. Tu veux que je te dise, le petit Austin, je crois que c'est lui qui va gagner. Mais il a triché. Non, enfin bref, c'est bien dommage que vous ne soyez pas là. Oh, je sais bien, mais le bateau vient juste d'accoster et on va d'abord récupérer Zeus. Je serais tellement heureuse de vous revoir, mes chéris. Et comment s'est passée la croisière? Oh, on s'est bien amusé et les enfants ont été très heureux. J'ai déposé Georges et le bébé à la maison. Georges a passé beaucoup de temps à la piscine. Il restait allongé. Le mal de mer est une chose à considérer comme une vraie maladie. Viens voir une seconde. Pourquoi? Le chien des voisins est tombé dans un pot de peinture. Non, chérie, il faut que je te laisse. On a des petits soucis. D'accord, au revoir et encore joyeuse Pâques. J'espère que Zeus va bien. Tu te rappelles la dernière fois quand on l'avait laissé seul? Oh oui, mais moi je suis sûre qu'il va bien. Et on peut vraiment faire confiance à Alice. Belinda, les enfants, vous voilà. Bonjour. Bonjour. Tu nous as tellement manqué. Moi aussi, vous m'avez manqué. Et attendez que je vous raconte ce qui s'est passé. Bienvenue à la famille Bannister. Voici Will et sa chienne Gabrielle. Salut, très heureux de vous connaître. Bonjour, enchantée Will. Et bonjour Gabrielle. Bonjour. Will, c'est votre petite amie? Non, ma chérie. Oui. Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu un petit problème et tout s'est arrangé chez le veto? Oui, Zeus va bien. C'était rien, vraiment, trois fois rien. Vraiment rien. Oui, si on veut. C'est un chien génial, n'est-ce pas? Oui. C'est le meilleur. Ça, c'est vrai. Joyeuse Pâques, Gabriel. Joyeuse Pâques, Zeus. Zeus a eu exactement ce qu'il voulait pour Pâques. Sa famille. En voilà une belle fin. Lui, c'est Butkus. C'est le plus exubérant de tous. Et lui, ben, c'était Bottleneck. Vous vouliez pas disséquer les grenouilles? Non. Oh, Zeus. Je suis par là, tu sais. Oui, ça fait. Allez, on reste tout le temps avec le chien. Je vois que vous avez donné une seconde ration de croquettes lors du repas du midi. Non, là, c'est trop. Excuse-moi. Ben oui, donc je fais semblant de tripoter du chat. Non, sérieusement. T'as pas le droit de me faire ça. C'est gagné. Il faut qu'on les retrouve. Je propose qu'on se sépare pour être. Qu'on se sépare pour être plus efficace. Oh, non. C'est vrai que. Oh. Désolée. Ah. Désolé. Ça va, mes yeux? Tu veux la mèche soit belle, non? Oh, c'est dingue, il y a plein de clébards derrière. Je viens de te le dire. Il faut que tu restes avec moi. Non, il faut que tu restes avec moi. Attends, reste là. Regarde un peu. Ouais, là, c'est trop marrant parce que... Regarde, chérie, la caméra est juste sur toi. On perd le cochon. On perd le cochon. Pour m'avoir offert l'opportunité de monter ma propre affaire et je attends, dois... Attends, couper. Un avion passe. J'ai retenu des choses grâce à vous. Comment je dois diriger mes propres affaires. C'est pas grave, tu peux attendre un avion. Avion piqué. Tout le monde à terre. Oui, les films, c'est magique. Qui veut faire un film plein de bombes d'avions et de bêtes? Celle-là, elle était bonne. Bravo. Wap. À tout à l'heure. Au revoir. Just keep doing what you're doing. Let the music in your heart take you.